Commission nationale de supervision du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population offre l'occasion de rappeler qu'une population n'est pas une masse homogène dont les entités individuelles ou collectives sont interchangeables entre elles. Elle est avant tout une notion démographique. Cela suppose sa connaissance analytique, c'est-à-dire socio-catégorielle, de manière détaillée et fine. Partout dans le monde, la maîtrise de la population permet de mesurer les défis et les enjeux des politiques de développement et d'orienter la programmation du développement. En effet, le recensement de la population d'un État et la gestion de l'identité de ses ressortissants constituent un enjeu majeur, notamment en termes de développement économique, d'assistance aux populations, d'éducation, de formation, de services rendus aux citoyens et de maintien de la sécurité intérieure. C'est pour faire face à cet enjeu que le gouvernement, au travers de l'un de ses projets phares, a prévu de mettre en place un programme d'envergure portant sur la constitution d'un fichier national, centralisé et informatisé, de l'identité de l'ensemble des ressortissants et résidents de notre pays. La commission que vous installez ce jour aura pour mission principale de recenser tous les Béninois vivant aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, ainsi que les étrangers vivant sur le territoire national. Le RAVIP trouve son fondement dans la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification physique des personnes en République du Bénin. Cette loi permet à notre pays de disposer d'une base de données fiable, susceptible de renseigner non seulement sur nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi sur les étrangers résidant sur le territoire national. À terme, le Bénin disposera d'informations fiables, collectées, traitées, conservées dans une base nationale de données nominatives, biométriques, personnelles, sociales et démographiques. À cet égard, rappelez qu'en adoptant la loi sur l'identification de la personne, l'Assemblée nationale a pris des dispositions pour la création des registres de la population, notamment d'un registre national et des registres communaux. Ces registres serviront de base à l'édition de la carte d'identité numérique ainsi que des documents de voyage. Ils serviront également à confectionner les bases de données sur les personnes dont l'administration a besoin pour une gestion efficiente de la population. Chers membres de la Commission nationale de supervision, votre tâche est exaltante et votre responsabilité historique. Au regard des nombreux avantages qu'offre cet outil, le Bénin veut pouvoir compter sur vos qualités de manager et surtout sur votre connaissance des questions liées aux populations. Pour terminer, je voudrais appeler l'ensemble de nos concitoyens à contribuer à la réussite de l'opération en fournissant spontanément et correctement les réponses adéquates aux administrateurs des questionnaires. Au nom de l'Assemblée nationale, je formule des vœux de plein succès à la Commission nationale de supervision du RAVIP. Je vous remercie. J'ai préparé un discours que j'avais souhaité lire, mais j'ai l'impression que nous avons été inspirés pareillement et que mon discours n'aura de mérite que de répéter les propos du président de l'Assemblée nationale. Alors, avec votre permission, je vais déclarer installée la commission. Je vais donc déclarer installée la commission de supervision chargée de veiller au déroulement normal, transparent de cet événement important,
si utile pour notre nation. Je n'ai pas de doute, à la fin du processus, chacun de vous, moi, le président de l'Assemblée, tout le monde, nous aurons un identifiant unique et par suite, une carte d'identité nationale, biométrique et numérique, sinon électronique, qui nous permettra d'effectuer toutes nos formalités administratives, civiles, toutes les transactions économiques et financières. En un mot, nous aurons la carte à tout faire. Notre pays aura franchi un palier. Je vous remercie. Nous attendons de nos concitoyens, des responsables à divers niveaux, la disponibilité totale pendant la phase initiale. La phase initiale, c'est la phase qui nous permettrait de constituer les registres de base. Après, il y aura les adaptations. Après, il y aura les mises à jour confiées à une agence que la loi a créée, l'Agence nationale d'identification de la population, ANIP. Pour le moment, c'est l'ANT qui assure les missions de l'ANIP. Et donc, il faut que chacun soit disponible. Évidemment, chacun de nous aura un numéro d'identification personnelle qui le suivra pour ceux qui naissent du berceau et jusqu'à la fin. Et ce numéro d'identification personnelle permettra de générer des cartes à multiples fonctions, dont, bien entendu, la carte nationale d'identité personnelle qui est une carte numérique. Vous savez, nous avons besoin de faire des opérations bancaires, de faire des transactions financières. Nous avons besoin d'avoir une carte d'assurance sociale, une carte d'assurance, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, évidemment, cette carte que nous aurons générée par le numéro personnel d'identification permettra d'assurer ces multiples fonctions. Je pense que les opérations antérieures avaient des finalités différentes et les contextes de réalisation ne sont pas les mêmes. Je suppose que vous voudriez faire référence à l'élaboration de la liste électorale permanente et informatisée. Oui, nous capitalisons dans cette opération à partir de ce qui a été fait déjà avec la LEPI. Cela veut dire quoi? La base de données de la LEPI va être utilisée comme base de référence pour entamer l'opération. À la différence de la LEPI qui concernait les citoyens de 8 ans et plus, cette nouvelle opération prend l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire de un jour à X années. En plus, la liste, la base de données de la LEPI ne comportait pas les étrangers. Cette nouvelle base de données va comporter un volet citoyen béninois et un autre volet résident, donc étranger résident dans notre pays, pour faciliter la délivrance des différents documents d'état civil dont les uns et les autres. Mais le dispositif juridique de l'époque ne permettait pas à la justice de délivrer automatiquement les pièces d'état civil, notamment les jugements supplétifs, à l'ensemble de ses citoyens. Avec le RAVIP, la question va être résolue une fois pour de bon. Il y a très longtemps. Après, aujourd'hui, la gestion de l'état civil dans nos communes n'est pas chose aisée, n'est pas chose facile. Vous savez qu'aujourd'hui, la population a besoin d'être identifiée. Pour des questions de sécurité, pour des questions économiques, on a beaucoup de mal aujourd'hui à identifier la population à la base. Vous vous levez un matin, vous voyez des gens s'installer, sans savoir exactement de qui il est question. Et ça pose d'énormes problèmes d'insécurité pour nos différentes communes. Les tracasseries que nous rencontrons aujourd'hui en matière d'établissement de carte d'identité et de passeport, où celui qui est à tout contournant doit venir forcément à Cotonou. En matière de casier judiciaire, où vous devez courir pour aller chercher une source par-ci, par-là, ces questions devront trouver une solution avec cet outil qui s'installe. Et je voudrais saluer l'initiative, je voudrais remercier le gouvernement et l'Assemblée nationale, parce que depuis le 19 juin, c'est devenu une réalité à partir de la loi votée à l'Assemblée nationale. Et nous, élus locaux, nous devons nous réjouir de cette initiative, mais surtout exhorter tous les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier,
à prendre une part très active à ce travail qui va se faire pour le bonheur de nos populations à la base et pour la gestion plus fluide de l'état civil dans nos différentes communes.